M B E M. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM 99.7 ou peut-être que vous nous écoutez sur jadefm.fr. En tout cas, aujourd'hui, nous vous proposons de suivre Naël, notre stagiaire fan de techno et musique électronique. Naël est allé à la rencontre de Yuri, jeune DJ nantais, plus connu sous le nom de Laton Raver, sur la scène Acidcore Acid Tribe. Nous avons pu te suivre, Yuri, dans ton quotidien, tant chez toi, dans les rues de Nantes et au bar Le Narcisse où tu travailles. Merci encore pour ta confiance. Nous vous proposons donc de suivre Naël pour une première étape chez Yuri. Quand et comment as-tu commencé la musique ? J'avais 16 ans, j'étais au lycée, puis tu vois comme tous les débuts des gens qui font un peu la musique, je pense, c'est ce que t'écoutes d'abord, et puis nous à ce moment-là au lycée de Bouay dans lequel j'étais, on écoutait pas mal de techno, il y avait beaucoup de grands qui écoutaient de la techno, qui faisaient des sound systems, qui montaient leur sound system, et puis bah pareil, un peu juste envie de prendre parti de ce truc-là et de se dire bah ouais, moi aussi je vais faire mon son, tu vois, plutôt que d'en écouter tout le temps et de dire que je peux aussi faire kiffer les gens avec mon son. Au début c'était rien, au début c'est vraiment juste tu télécharges un logiciel, tu tâtonnes un peu, ça ressemble à rien, tu fais écouter à tes potes, ils te font ouais c'est cool, bravo, alors que bah non. Et puis bah si t'as envie, bah tu continues, tu progresses, quoi. Complètement. Quels sont les artistes qui t'ont inspiré? Wow. Au début c'était plus dans le hard techno, je dirais du Bilix, du Gou, tout ça. C'était le côté vraiment son tough, son rave à fond. Puis à force, quand tu choisis un peu tes styles, tu vois, quand t'écoutes du son, quand tu vas soit en tough, soit en club, soit quoi, tu sais pourquoi tu vas avoir du son, tu choisis tes line-up. Et du coup après ça s'est plus tourné vers forcément la tribe, donc du Mr. Gas Mask, du Ling Ling, Enko, Van der Weiss, tout ça, enfin que des. Plutôt des artistes tribe, ouais, et acide. Comment fais-tu pour composer ? Je compose principalement à la base sur FL Studio. J'ai commencé par là, du coup ça a toujours été mon logiciel de prédilection, entre guillemets, tu vois, genre c'est là-dessus que j'ai le moins galéré, puis que j'ai le plus appris tout le temps. Donc après, c'est. Pour composer, c'est je me pose à mon bureau, j'allume mon ordi, je cherche soit un kick ou une ligne de basse, une petite mélodie, et puis après ça va, quoi, tu vois, genre je choisis des plugins, je choisis des effets que je vais rajouter sur mes éléments, et puis après faut mixer tout ça, quoi. Eh oui, c'est ça le pire. Comment as-tu progressé et quelle est ta machine favorite ? Bah progresser, du coup, ça rejoint un peu effectivement ce que je disais avant, tu vois, t'as un logiciel de prédilection, tu taffes à fond là-dessus, et du coup forcément si tu veux réussir à avoir les résultats de ce que t'as en tête, il faut pouvoir chercher, il faut pouvoir fouiller dans ton logiciel à fond. Du coup bah à la base beaucoup de tutos sur YouTube, beaucoup de questions à des mecs qui faisaient du son aussi, tu vois, de partager ce truc-là avec des potes qui en faisaient déjà un peu plus, beaucoup d'écoute. Et de tâtonnement, ouais, carrément, à fouiller partout dans le logiciel. Du coup, machine préférée, c'est FL Studio, en fait. Tu vois, c'est bizarre à dire ça, parce que c'est pas une machine, du coup, c'est pas du hardware, c'est pas du physique, mais en fait, c'est là-dessus que je me suis plus éclaté. Après, évidemment, nous, dans l'acide, tu imagines peut-être que tu connais un peu, ça va être la TB-303, quoi. Dans ma tête, c'est ce que je vais le plus idéaliser, en tout cas. J'ai trop envie de faire sortir ces sonorités-là. Voilà. Du coup moi j'ai une petite TD3, c'est une petite machine qui clone la TB303 et avec laquelle je peux me marrer un peu. Qu'est-ce que tu veux faire partager à travers ta musique ? Oh, ça c'est vraiment la question la plus dure. Question piège. Ça c'est vraiment pas facile, mais c'est... À la base c'est aussi beaucoup pour moi en fait que je fais de la musique, je pense. Enfin c'est pas pour me faire mousser, tu vois, devant les autres, c'est pas pour donner l'impression que je sais faire quelque chose en plus. Du coup, c'est plus
Enfin, les gens vont voir eux-mêmes ce qu'ils ont envie de prendre là-dedans, tu vois. Moi, je sais pas, à la base, je fais de la techno parce que c'est ce qui fait danser et c'est ce qui me fait bouger, moi, en teuf ou en club, encore une fois, ou dans tous les lieux dans lesquels je peux aller danser, ou même avec mes potes en soirée, tu vois. Mais du coup, ce que je transmets, c'est plus que moi, j'ai en tête d'un son qui marche bien. Je me dis, je vais le refaire. Enfin, je vais pas le refaire, mais je vais essayer de reprendre un peu tous ces codes, tout ce que j'aime, pour les retranscrire dans un nouveau son. Et si ça match, ça match, tu vois. Si ça fait ressentir des trucs cool aux gens, c'est le mieux. C'est ce que j'espère en tout cas, tu vois. Dans un deuxième temps, nous vous proposons d'en savoir plus sur les dernières sorties et les moyens de diffusion de Laton River. Rendez-vous donc au square Amiral Algan à Nantes. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en solo sur SoundCloud? Ben, SoundCloud, c'est un peu la plateforme de la techno depuis un moment, quoi. Aujourd'hui, les gens qui sont un peu connaisseurs de techno, ils écoutent ça sur SoundCloud parce que les plateformes aujourd'hui comme Spotify, comme Deezer, laissaient pas avant la possibilité forcément de mettre sa musique facilement. Il fallait forcément passer par des labels, par des producteurs, par d'autres trucs. YouTube, c'est un peu trop large aussi. Et les algorithmes font que tu risques pas de toi-même trouver de la bonne techno, entre guillemets. Enfin, tu vas en trouver, mais tu vas trouver des sets d'une heure, tu vas trouver des morceaux qui vont être les plus écoutés tout le temps, mais pas forcément du coup des petites pépites derrière les fagots, quoi. Et en gros, je sais pas, du coup, moi SoundCloud, c'est le premier endroit où j'ai trouvé les sons que je trouvais fou, qui me rendait dingue, et du coup je me suis dit moi aussi je vais poser mes sons là-dessus. C'est le seul endroit où je vais pouvoir le diffuser avec mes potes sur ce style-là, et en fait c'est d'ailleurs, tu vois, finalement je suis assez content parce que c'est là-dessus que je vois que ça a marché aujourd'hui, même si je suis sur Spotify aussi, sur Deezer surtout, et ça reste mes écouteurs, mes auditeurs, ils restent sur SoundCloud, quoi. Donc c'est cool, ça me fait kiffer. Quand est-ce que tu as décidé de sortir ton premier album, C'est l'été, la pluie est moins froide, en juillet dernier? Tu vois, cet album, il est vachement plus tranquille, il est vachement plus smooth, c'est plus de la house techno, il y a un petit peu de dub dedans, il y a d'autres influences en fait que j'avais de la musique que j'écoutais même avant d'écouter de la techno. Donc c'était un peu une période l'année dernière pour moi où justement après avoir fait 4 ans de tribe, d'acide, et que j'adore toujours, mais j'avais besoin de bouger un peu, de voir d'autres choses. Quand je produisais chez moi, je m'amusais plus à faire des trucs un peu jazzy, un peu groovy, trouver d'autres sonorités, à plus bosser sur des compos différentes, quoi. Et finalement après avoir pensé quelques petits morceaux comme ça, je me suis dit je vais poster ça va changer moi aussi. Enfin, d'un autre côté, mes potes aiment bien la techno, ils aiment bien ce que je fais, et ils aiment bien la grosse techno, une bonne partie de mes potes aiment bien, mais j'ai toute la communauté aussi autour de moi, pas forcément dans la teuf, qui n'est pas forcément friand de ce genre de choses. Et du coup il y avait un peu ce truc là aussi de dire je vais filer à mes potes d'autres sons qui vont pouvoir leur aller à eux aussi, et pas seulement aux teufeurs, quoi. Voilà. Quel titre conseillerais-tu à nos auditeurs pour une première écoute de Laton River? Ça dépend à qui je m'adresse, en fait, je pense surtout. Ça dépend avec qui je discute de ça. Il y a des gens que je vais rencontrer dans la rue, on va discuter un peu de musique, ils vont me dire ce qu'ils aiment, et je vais pas forcément amener du coup la chose directement sur la tribe. Je vais plutôt leur dire que je fais un peu justement de house, un peu de dub, un peu de trucs comme ça, et leur conseiller un album plutôt calme. Mais je vais aussi rencontrer des gens qui ont juste envie de gros bangers,
tribe énervé et je vais leur dire bah va sur YouTube, tape Bender en acide et tu verras, enfin tu vois. Et pourtant moi c'est des morceaux qu'aujourd'hui j'aime plus du tout, enfin qui font partie de moi et de l'histoire que j'avais, mais qui part, enfin avec le son, mais aujourd'hui je sais plus ce que je propose quoi. Et donc bah voilà, en fonction de à qui je m'adresse, je vais pas proposer les mêmes morceaux. Pour finir cette interview, nous vous proposons de retrouver Yuri et Naël au bar nantais Le Narcisse pour parler plus en détail des projets à venir pour Laton River. Quelle scène as-tu commencé à te produire ? J'ai commencé à me produire sur des petites scènes à la base de teuf en fait. Enfin, tu vois, la première fois que j'ai joué, je pense que c'était dans une free party. C'était trop cool, c'était dans des sound systems de potes, c'était à la cool quoi, tu vois. On avait notre petit contrôleur, un ordi et bam, on lançait nos sets techno. C'était la belle vie quoi, c'était les meilleurs moments en vrai ça. Et puis ensuite. J'ai eu le Mojo, qui est un bar à Nantes qui nous avait accueillis pour les offs de Paco de Tison, Paco Tyson, enfin, peu importe, on peut dire les deux. Et du coup, à partir de là, en fait, ça a été la première scène, et c'est à partir de là qu'on a commencé à jouer dans d'autres petits endroits, dans d'autres petits bars, dans d'autres petits clubs, et voilà. Ça s'est enchaîné. C'est ça. Quelle est la scène où tu aimes mixer en ce moment ? Et bah du coup, toujours, par exemple, le Mojo ou le Narcisse ici, qui est aussi mon lieu de travail, ça reste des endroits en fait où on a pas mal de copains, et où en fait, quand on joue, c'est là où c'est le plus cool, quand c'est pour faire des DJ sets en tout cas, quand c'est pour jouer tranquille, pour être avec la famille quoi, un peu, tu vois. Et sinon, évidemment, jouer au Macadam ou Warehouse, tous ces lieux-là qui sont plutôt des lieux dans lesquels on va amener du monde pour être écouté, mais c'est pas forcément entre guillemets, enfin c'est une partie de plaisir, mais ça reste un stress, ça reste autre chose, ça reste un autre moment de jeu et voilà. Le Macadam aujourd'hui, je pense que c'est la scène sur laquelle la scène underground en club où j'ai préféré jouer, parce que du coup le public est complètement aguerri par rapport à la musique qu'on doit faire, enfin qu'on doit jouer, et ils savent pourquoi ils viennent. Donc ça fait plaisir, tu sais qu'on te reconnaît à ta valeur quand on vient te voir au Macadam. Mais sinon, ouais, plutôt des petites scènes tranquilles, en open air, des petits lieux un peu insolites dans lesquels tu peux jouer un peu ce que tu veux et où les gens savent que... Enfin, je préfère que des gens viennent dans un lieu parce qu'ils savent que là-bas, ils vont écouter de la bonne musique. Parfois, je préfère ça plutôt que des gens viennent me voir exprès pour me voir, dans le sens où du coup, il y a un autre stress, quoi. C'est différent. Sur quelle scène et potentiellement avec quel artiste aimerais-tu vraiment travailler ? Sur quelle scène, tout d'abord, en vrai, il y en a tellement, tu vois, des scènes où on a envie d'aller bosser. Enfin, on a plein d'idées en tête, tu vois. À partir du moment où tu commences à jouer dans des lieux, t'entends parler d'autres lieux qui pourraient être intéressants. Sur Nantes, je pense avoir joué dans tous les lieux qui accueillent de la musique électronique actuellement. Donc, j'aimerais pourquoi pas aller plus loin, tu vois. Je sais qu'il y a des... Il y a des super salles, il y a des super clubs à Paris, il y en a d'autres, enfin pourquoi pas aller dans d'autres pays tout simplement. Je sais qu'en Tchéquie il y a pas mal de sons de techno, je sais qu'à Berlin, bon bah évidemment c'est un peu la scène enfin, mondialement connue là-dessus. Il y a beaucoup de lieux dans lesquels j'aimerais aller jouer. Et à chaque fois, tous les jours j'en découvre des nouveaux et tous les jours j'essaye d'avancer dans d'autres petits lieux, dans des petits endroits pour un jour ou l'autre aller dans des plus gros lieux. Après, pour des artistes, c'est pareil en fait, tu vois, il y a tout plein d'artistes qui sont géniaux, en particulier, moi comme j'en parlais tout à l'heure, Mr. Gas Mask par exemple, c'est vraiment une de mes influences sur la tribe, c'est un gars avec qui j'adorerais pouvoir discuter de son, en tout cas, tu vois, c'est, au-delà de travailler, il y a le vrai côté d'apprendre à connaître ces gens-là et comment ils en sont arrivés là et
pourquoi leur musique elle est si dingue, pourquoi est-ce que ça, pourquoi c'est comme ça quoi. Et c'est plus là-dessus. Je pense que le boulot, travailler avec ces gens-là, ça viendra peut-être un jour. Et en même temps, nous, on est la génération des, enfin, tu vois, je connais pas encore assez les gens qui font partie de ma génération avec qui peut-être dans 10 ans j'aimerais travailler. Donc, voilà. Parle-nous un peu de tes projets en cours. Doit-on s'attendre à un nouveau son, album qui sortira prochainement ? Je vais pas garder le mystère. Non, en vrai, je sais pas. Je suis en préparation d'un live, du coup. D'un live, du coup, plutôt sur le côté tribe, acidcore. J'en fais assez régulièrement, mais du coup, c'est toujours en perpétuelle envie de ressortir des choses et t'es jamais trop content des résultats, finalement. Enfin, c'est pas plus mal, d'ailleurs. T'as envie toujours de faire mieux. Donc là, pour cette année, il y aura un nouveau live acidcore tribe, ça, c'est sûr. Qui va sortir en mai, je pense. C'est sûr. Parce qu'il sera joué quelque part. Pour l'instant, je vous le dis pas. Vous verrez ça sur en ligne. Ou, voilà, c'est ça. Ça, c'est la surprise, par contre. Et puis, sur un album un peu plus smooth, j'aimerais bien aussi sortir quelque chose cet été, comme j'avais fait l'année dernière pour cet été la pluie et moins froide, pour toucher un peu un truc de good vibe sur l'été, quoi. Tu vois, d'avoir du smooth, d'avoir du plaisir, que du plaisir. Merci à Yuri Laton River d'avoir répondu à nos questions et avoir permis aux auditeurs de Jade d'en savoir un peu plus sur la musique techno. Vous pouvez retrouver Laton River sur son SoundCloud et autres plateformes de streaming. À très vite, plus de découvertes sur Jade FM 99.7 et sur jadefm.fr.